Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce congrès et je regrette de ne pas pouvoir être présent parmi vous. Mon exposé va concerner une question simple. Est-ce que la consommation des cigarettes électroniques est un vecteur d'initiation au tabac? Je n'ai aucun lien ou conflit d'intérêt ni avec l'industrie du tabac, celle de la nicotine, celle de la cigarette électronique et l'industrie pharmaceutique. Avant de parler des cigarettes électroniques, un mot au sujet de la nicotine. La nicotine est une drogue dure, c'est-à-dire que 2 enfants sur 3 qui essayent une cigarette uniquement pour voir deviennent au moins temporairement fumeurs journaliers au cours de leur existence. Et si l'on regarde les enfants après leur première inhalation, eh bien 2 jours après cette première inhalation, 10% des enfants ont déjà perdu leur autonomie par rapport à la nicotine. Donc on entre très facilement dans l'addiction à la nicotine, mais il est très difficile aussi de s'en sortir, puisque si vous regardez les résultats de sevrage avec placebo à 6 mois, vous voyez que alors que 44% des personnes qui sont addictes à l'héroïne arrivent à arrêter de consommer sans traitement, seulement 8% arrivent parmi les personnes qui sont dépendantes à la nicotine. Quels sont les risques pour la santé de la nicotine? Eh bien, tout d'abord, les risques cardiovasculaires qui sont bien connus. C'est-à-dire que la consommation de nicotine augmente une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Il est possible que la nicotine expose le fœtus à certains risques. Le risque oncogénique est incertain et, comme vous le savez, il existe des risques toxiques par intoxication aiguë. J'aimerais insister sur l'importance de la nicotine sur le développement du cortex. C'est-à-dire que une étude à partir d'enfants de 9-10 ans aux USA qui ont été suivis pendant 2 ans et qui avaient une initiation à la nicotine. Eh bien, ces enfants qui ont commencé à consommer de la nicotine, quand on les compare aux enfants qui n'ont pas consommé de nicotine, eh bien, leurs performances cognitives sont plus faibles et l'on observe des altérations visibles à l'IRM cérébral dans les régions frontales, pariétales et temporales. Donc, la nicotine intervient sur le développement du cerveau chez l'enfant et l'adolescent, voire même chez l'adulte jeune. La nicotine, son marché est contrôlé par le cartel du tabac, qui est composé de 4 grandes compagnies transnationales qui n'ont qu'un objectif, faire du profit. Et ces compagnies sont extrêmement riches, ce qui fait qu'elles sont capables de manipuler les divers gouvernements dans le monde. Cette industrie propose une palette complète de produits. Alors, nous avons à gauche de l'écran les produits classiques, ce sont les cigarettes fumées. Mais maintenant, nous avons aussi le tabac chauffé, dit aussi tabac grillé, les cigarettes électroniques, le snus, c'est-à-dire un tabac oral suédois qui est commercialisé beaucoup par Internet, et enfin les sachets de nicotine qui sont un nouveau produit de l'industrie du tabac. Il s'agit soit d'ailleurs de sachets de nicotine, comme sur la photo, où vous avez simplement de la nicotine et des fibres végétales. Mais il existe aussi des sachets de tabac qui se rapprochent relativement du snus. Un mot sur les cigarettes électroniques. Actuellement, il existe une évolution rapide des produits. Vous savez qu'il y a des produits qui sont jetables, les rechargeables, et parmi les rechargeables, ceux qui sont rechargeables avec des liquides et ceux qui sont rechargeables avec des cartouches. Un mot sur les cigarettes jetables. Ces cigarettes actuellement font fureur chez les jeunes en Amérique du Nord, en Europe
Et dans beaucoup de pays du monde, il s'agit en particulier des puffs, les puffs étant des cigarettes électroniques qui se présentent un peu comme des stylos, qui sont relativement courts, avec un nombre de parfums importants. Alors, par exemple, vous avez ici le ciblage des adolescents par les cigarettes électroniques. Donc, vous avez un exemple ici sur cette diapositive. Il s'agit des puffs et c'est une publicité qu'on peut trouver sur Instagram. Et la preuve que les adolescents et les enfants sont ciblés, c'est que si vous achetez ces Elf Bars, eh bien, vous avez des bonbons qui vous sont offerts. Ce ciblage des cigarettes électroniques vers les jeunes est extrêmement efficace et on observe une augmentation rapide des jeunes usagers. Les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres qui remontent à plus d'un an ou 2 ans. Et actuellement, l'explosion de la consommation des puffs rend ces valeurs un peu obsolètes. Aux États-Unis, en 2011, parmi les lycéens, seuls 1,5% étaient usagers. En 2018, c'est plus de 20%. Au Royaume-Uni, pour les jeunes de 11 à 18 ans, le pourcentage d'usagers est passé de 2,4% en 2015 à 4,1% en 2021. En Irlande, l'usage par les jeunes de 12 à 17 ans était de 9% en 2018 et en France, en 2017, parmi les jeunes de 17 ans, un peu plus de 50% ont déjà envisagé de consommer et 2% vapotent quotidiennement. La question posée est de savoir si l'usage de la cigarette électronique est une voie d'entrée vers la consommation de tabac chez l'adolescent. Une méta-analyse a été publiée très récemment dans le BMC, Public Health. Elle repose sur 21 études longitudinales, 15 aux USA, 6 dans l'Union européenne. Les données ont été collectées entre 2013 et 2016 et le suivi a duré entre 4 et 2 ans, 4 mois, pardon, et 2 ans et demi. Le résultat est clair. Concernant des jeunes de 13 à 19 ans à l'inclusion, le risque de débuter une consommation de tabac est multiplié par 4,6 chez les jeunes ayant déjà consommé une cigarette électronique au moment de l'inclusion. Cette méta-analyse permet donc de conclure que la consommation de la cigarette électronique est une porte d'entrée vers le tabagisme fumé. En conclusion, si les preuves de l'efficacité des cigarettes électroniques sur le sevrage tabagique sont incertaines, par contre, la facilitation de l'entrée en tabagisme par la consommation de cigarettes électroniques est de plus en plus formelle. Aussi, l'épidémie actuelle de consommation de cigarettes électroniques par les jeunes doit-elle être combattue? Je vous remercie. Je vous propose de faire un point sur la question du sevrage des cigarettes électroniques. Avant de commencer, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt ni lien d'intérêt avec l'industrie du tabac, ni l'industrie de la nicotine, ni celle de la cigarette électronique, ni l'industrie pharmaceutique. Concernant l'épidémiologie et l'usage de ces cigarettes électroniques, on note d'une part dans la population générale une prévalence d'environ 3,2% d'utilisateurs en 2018 versus 2% en 2017 aux USA et en Europe, avec un taux le plus élevé qui est observé au Royaume-Uni, qui est de l'ordre de 6,2%. L'usage de ces cigarettes électroniques contenant ou non de la nicotine dans cette population générale a pour principal objectif un arrêt du tabac. On observe cet arrêt total du tabac dans environ 40% des cas.
Dans 60% des cas, on observe plutôt un double usage de tabac et de cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. Les questions qui se posent, c'est quel est le pouvoir addictif de ces cigarettes électroniques? Sont-ils efficaces pour arrêter le tabac? Et quels sont les risques pour la santé de leur usage à moyen, sur le moyen et long terme? Chez les jeunes, on observe entre 13 et 15 ans un taux supérieur d'usagers de cigarettes électroniques à celui des adultes dans environ 22 pays. Ce taux entre 2008 et 2015 est plutôt en augmentation. Et l'usage de ces cigarettes électroniques, avec ou sans nicotine, dans cette population de jeunes, se fait surtout dans le cadre d'une initiation. Les questions qui se posent là également, quel est le pouvoir addictif de ces cigarettes électroniques chez les jeunes? Est-ce une porte d'entrée vers le tabagisme? Et c'est pourquoi, en raison de toutes ces questions, il est important de dissuader l'usage de ces cigarettes électroniques chez les jeunes et de les informer du risque de dépendance. Le problème des cigarettes électroniques est surtout lié à leur usage sur le moyen et le long terme. On observe cet usage sur le long terme, en particulier lorsqu'il y a une dépendance à la nicotine qui s'est installée. Concernant les vapo-fumeurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas complètement arrêté de fumer, qui vapotent et qui utilisent la cigarette électronique en même temps, on sait qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé à les encourager à continuer dans ce chemin-là. Et enfin, on se pose des questions concernant les risques pour la santé de cet usage sur le long terme. Concernant l'arrêt de l'usage des cigarettes électroniques, d'après certaines études, on note qu'une majorité d'utilisateurs de cigarettes électroniques ont exprimé, sont motivés pour arrêter ces cigarettes électroniques. Les doubles utilisateurs, c'est-à-dire de cigarettes électroniques et de tabac, et les non-fumeurs, utilisateurs simplement de cigarettes électroniques, sont un peu moins motivés et enclins à envisager d'arrêter ces cigarettes électroniques. Est-ce qu'ils minimisent les risques pour la santé? Enfin, on observe un taux plus élevé de tentatives infructueuses d'arrêter les cigarettes électroniques. Là aussi, on peut se poser des questions sur les difficultés à arrêter cette utilisation. Enfin, on note une absence de recommandations à l'heure actuelle de bonnes pratiques cliniques pour arrêter l'usage de ces cigarettes électroniques avec ou sans nicotine. Il est donc urgent de développer des interventions pour aider les utilisateurs à arrêter ces cigarettes électroniques et des études sont encore nécessaires pour évaluer les caractéristiques des utilisateurs de ces cigarettes électroniques avec ou sans nicotine qui souhaitent arrêter. Concernant le pouvoir addictif de ces cigarettes électroniques, je vous ai cité une publication parue en 2019 dans le New England Journal qui montre que parmi les participants, 80% continuaient à utiliser des cigarettes électroniques avec nicotine après un an d'abstinence de tabac, contre 9% qui continuaient à utiliser des substituts nicotiniques pharmaceutiques. Concernant la nicotine qui est contenue dans les cigarettes électroniques avec nicotine, celle-ci présente les mêmes caractéristiques que la nicotine du tabac. C'est une drogue puissante qui est responsable d'une addiction très forte. La concentration en nicotine est régulée dans l'Union européenne à moins de 20 mg par millilitre, mais on peut observer des concentrations plus importantes, de l'ordre de 59 mg par millilitre aux USA, en particulier pour la Juul. L'utilisation de ces cigarettes électroniques avec nicotine entraîne des symptômes de dépendance à la nicotine et les risques et la gravité de la dépendance à la nicotine vont être influencés par les caractéristiques du produit de la cigarette électronique, la concentration de la nicotine, les arômes, le type d'appareil et la marque. Enfin, l'intensité, il semblerait que l'intensité de la dépendance nicotinique semble plus faible quand même avec les cigarettes électroniques avec nicotine versus tabac fumé. Concernant les cigarettes électroniques sans nicotine, on se pose des questions aussi par rapport à son pouvoir addictif qui serait peut-être lié à la présence de certains composants addictifs, mais là encore beaucoup d'interrogations à ce sujet-là, le rôle des additifs et des arômes, la dépendance comportementale qui est présente dans les deux cas, de toute façon, peut être importante également. Enfin, l'intensité de la dépendance semble plus faible aussi avec les cigarettes électroniques sans nicotine versus cigarettes électroniques avec nicotine. Les cigarettes électroniques sont-elles des aides efficaces pour arrêter le tabac?
Actuellement, cette efficacité n'est pas démontrée en tant qu'aide au sevrage comparée à l'absence de traitement ou de traitement validé. Et les preuves que les cigarettes électroniques avec ou sans nicotine peuvent être des aides efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique sont encore actuellement très limitées. Les cigarettes électroniques sont-elles des aides pour réduire la consommation de tabac? On sait que simplement réduire la consommation de tabac n'apporte aucun bénéfice pour la santé pour le consommateur de cigarettes électroniques lorsqu'il continue à consommer du tabac, même en petite quantité, que c'est une fausse sécurité pour le fumeur qui fume moins et qui vapote, et que l'objectif reste un arrêt complet du tabac. Concernant les risques pour la santé de l'usage sur le long terme de ces cigarettes électroniques, des questions se posent régulièrement et de plus en plus, notamment en raison du contenu de liquide de ces cigarettes électroniques, le propylène glycol, la glycérine végétale, des arômes, des agents de saveur, des colorants, des cigarettes électroniques qui sont détournées également avec d'autres produits comme du tétrahydrocannabinol. Donc tout ça fait que on s'interroge quand même sur les risques sur le long terme. Concernant les potentiels risques respiratoires liés à l'usage sur le long terme, je vous ai cité quelques études qui mettent en évidence une augmentation de la toux chronique et des mucosités chez des adolescents à Hong Kong. Chez d'autres étudiants en Californie, on note un doublement du risque de symptômes de bronchite chronique. Ou chez les étudiants coréens, une augmentation du risque d'asthme, ou alors encore un risque accru de dyspnée, de bronchopneumopathie chronique obstructive et d'asthme au cours d'une autre étude. Tout ceci reste encore à confirmer ou infirmer sur le long terme. Les cardiologues s'interrogent également de plus en plus concernant l'usage de ces cigarettes électroniques par rapport à des risques spécifiques comme des tachycardies et des problèmes de tension artérielle. Donc au total, les risques sont vraisemblablement inférieurs à ceux liés au tabac fumé, mais peut-être quand même présents. Enfin, l'OMS en 2020 recommande de substituer complètement les cigarettes combustibles par des cigarettes électroniques pour pouvoir réduire l'exposition des utilisateurs à de nombreux toxiques et cancérigènes présents dans les cigarettes combustibles. Il attire l'attention aussi sur le fait que ces appareils peuvent exploser et provoquer des brûlures et des blessures par projectile. Et le risque est considérablement accru lorsque les batteries sont de mauvaise qualité ou stockées de manière incorrecte ou modifiées par les utilisateurs. Enfin, il ne faut pas oublier que l'exposition intentionnelle ou accidentelle à des liquides de cigarettes électroniques par ingestion, simplement par contact avec contact cutané ou avec les yeux, peut entraîner des effets néfastes sur la santé, parfois mortels, et d'autant plus chez les enfants. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, il est donc important d'informer les usagers de cigarettes électroniques des risques de dépendance. Il est également important de les informer des potentiels risques pour la santé, notamment liés à l'usage sur le long terme. Et il est important de les informer de la possibilité d'une prise en charge spécifique en cas de difficulté à l'arrêt, malgré le fait d'absence de recommandations de bonne pratique clinique actuellement. En pratique, on peut être confronté à plusieurs cas. Je vous propose de voir dans un premier temps celui de l'arrêt complet du tabac avec usage de cigarettes électroniques avec nicotine. Il est nécessaire dans un premier temps d'évaluer cette consommation de nicotine inhalée par jour ou par semaine, de déterminer cette concentration, le volume consommé par jour et savoir si c'est un usage quotidien ou occasionnel. Il est important également d'évaluer la dépendance à la nicotine. Déjà par des signes cliniques, selon le manuel DSM-5, on peut s'aider également du test de Fagerström, mais c'est important de l'évaluer pour pouvoir adapter aussi la prise en charge pharmaceutique. Enfin, il est toujours important d'évaluer les situations, les circonstances de consommation, sont seules ou avec entourage fumeur ou avec des consommateurs de cigarettes électroniques. Est-ce qu'elles servent à gérer certains moments, certaines émotions en particulier?
Et il est proposé donc de réduire progressivement la consommation de cigarettes électroniques avec nicotine, avec des substituts nicotiniques, à la fois transdermiques, l'association transdermique et oraux. Et là, il est nécessaire d'adapter cette posologie en fonction de cette dépendance nicotinique et de la présence ou non de signes de manque nicotinique tout au long du suivi. Tout en prenant en compte également la dépendance comportementale, qui est souvent importante également et qu'il ne faut pas négliger. Donc, recommander une utilisation de la cigarette électronique à l'extérieur et de la mettre le plus possible à distance et proposer des entretiens motivationnels répétés et systématiques. Dans le cas où l'usager n'est pas parvenu à arrêter complètement sa consommation de tabac, mais simplement à la réduire, on procède comme précédemment, on évalue la consommation de la nicotine inhalée, la consommation de tabac également encore associée, la dépendance nicotinique, les circonstances et les situations de consommation. Et là, on propose d'arrêter plutôt dans un premier temps déjà le tabac avant de vouloir envisager d'arrêter la cigarette électronique. Et tout ça aussi avec l'aide de substituts nicotiniques, transdermiques et oraux adaptés en fonction de la dépendance nicotinique et de l'évolution du suivi. Concernant l'arrêt de l'usage des cigarettes électroniques sans nicotine, là, il est également important d'évaluer la consommation de produits inhalés, son volume, l'usage, si est quotidien ou occasionnel, les circonstances de consommation et surtout prendre en compte la dépendance comportementale et d'apprendre à se séparer tout doucement de l'utilisation de cette cigarette électronique pour la gestion et pour le quotidien. Ça nécessite aussi des entretiens motivationnels répétés et ça ne nécessite pas en général de prescription de nicotine. En conclusion, les cigarettes électroniques avec et sans nicotine font toujours souvent l'objet d'un usage banalisé et facilité par la présence d'arômes. Ils sont souvent également considérés comme moins nocifs que le tabac fumé. Donc, il est nécessaire d'alerter sur les composants des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine, sur le risque de la dépendance nicotinique des cigarettes électroniques avec nicotine, la dépendance comportementale aussi, que ce soit avec nicotine ou sans nicotine, les risques éventuels liés aux additifs potentiellement toxiques, les risques potentiels pour la santé par rapport à un usage prolongé. Enfin, il est nécessaire également de personnaliser la prise en charge à chaque consommateur avec des substituts nicotiniques quand il existe une dépendance à la nicotine. Et il est nécessaire aussi de prévoir d'autres études pour évaluer les caractéristiques de cette dépendance des utilisateurs aux cigarettes électroniques avec et sans nicotine et de leurs difficultés à arrêter leur consommation. Je vous remercie pour votre attention et je resterai à votre disposition pour toute question.